Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, je voudrais ne pas passer sous silence la nomination d'une femme à la tête d'une très grande entreprise américaine, soit la compagnie General Motors. En effet, nous avons appris aujourd'hui que Mme Mary Barra, âgée de 51 ans, a été nommée à la tête d'une des plus grandes compagnies automobiles. Et de mémoire, je crois que c'est la première fois que l'industrie automobile va nommer une femme à la tête d'une de ses entreprises. Et moi, j'ai toujours considéré les femmes comme étant les égaux des hommes dans bien des domaines, là. Et particulièrement celui de gérer des entreprises. La femme a fait son chemin tranquillement et on voit qu'avec sa ténacité, de plus en plus, elle atteint les plus hauts échelons dans notre sphère d'économie. Et il ne faut pas oublier non plus que les femmes ont une qualité que malheureusement les hommes n'ont pas, c'est qu'elles sont capables de mener de front plusieurs choses en même temps. Ce qu'un homme peut difficilement faire parce que son cerveau est trop cartésien, comme on dit. Et au Québec, dans ce domaine, je dirais que nous sommes un peu en avance sur le monde anglo-saxon, car nous avons une femme d'une très grande valeur là, à la tête du mouvement Desjardins, et ceci depuis plusieurs années, Mme Monique Leroux. Et Mme Leroux, j'ai consulté un peu son CV, là. Elle fait partie de toutes sortes d'associations là, dans la province de Québec et même au Canada. Et Mme Leroux, on la connaît un peu plus là, parce que c'est une Québécoise et on la voit un peu régulièrement à la télévision là. Et personne ne doute de ses compétences. Et peut-être qu'avec l'avènement de plus en plus de femmes dans les hautes sphères de l'industrie et de l'administration, peut-être que ça va peut-être apporter une chose qui va être bénéfique pour tous, peut-être stimuler les garçons un peu plus pour être un peu plus studieux à l'école. On remarque, moi-même dans mon temps, là, les femmes étaient plus studieuse que les hommes. Mais apparemment, aujourd'hui, là, dans la nouvelle génération, les femmes ont encore gagné grandement là, au point de vue assiduité. Et pour ce qui est de sont plus studieux que les garçons de nos jours. Et peut-être que ça, c'est un de mes grands souhaits, là, que plus il va y avoir de femmes qui vont être nommés à des postes importants, les garçons vont réaliser que le sexe faible désormais est aussi compétent et peut accéder à n'importe quel poste qu'un homme peut accéder actuellement. Et en terminant, je voudrais mentionner que ceux qui aiment mes vidéos, vous n'avez pas besoin d'avoir une chaîne sur YouTube pour être abonné à mes vidéos. Tout ce que vous avez à faire, c'est lorsque vous écoutez une de mes vidéos, et si vous êtes intéressé, vous cliquez sur la case. Il y a une petite case là où c'est marqué abonné. Si vous cliquez là-dessus, vous allez être automatiquement abonné à ma chaîne, et lorsque je vais faire une vidéo, même si vous n'avez pas de chaîne sur YouTube, vous allez être avisé par Google via votre email que je viens d'émettre un nouveau vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé de regarder. Si jamais vous voyez le titre que ça ne vous intéresse pas, vous l'envoyez dans... Vous cliquez dessus, là, puis vous allez dans la poubelle, puis delete, puis ça, il va disparaître de votre boîte à mail. Et en terminant, même si on ne la connaît pas personnellement, là, moi je ne la connais pas personnellement, cette madame-là, là, elle a avré
toute sa vie au sein de General Motors. Elle a connu des grandes périodes difficiles. Et souhaitons-lui bonne chance. Et pour qu'elle fasse un succès à la tête de la compagnie General Motors. Sur ce, je vous dis bonne écoute. Merci et à la prochaine.